Salut les amis, c'est Evan et on se retrouve aujourd'hui pour la suite du stream sur Horizon Zero Dawn. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. On va streamer là pendant 2 ou 3 heures à peu près. Donc je vous rappelle un petit peu le contexte de l'histoire. Donc j'ai commencé le stream, le précédent stream sur le début du jeu en fait. Donc on incarne Aloy, qui est une orpheline, qui a perdu ses parents et qui a été récupérée et élevée par Rost. Et donc qui va vivre les premières années de sa vie assez difficilement, puisque elle est considérée comme une paria par le reste des Nora. En fait, les Nora, c'est la tribu dans laquelle elle va être acceptée plus tard, mais pour l'instant elle est paria, parce que Rost est lui-même un paria, pour des raisons qui sont encore inconnues. Donc voilà, elle sera souvent pointée du doigt par les autres, elle n'a pas d'amis, elle n'a personne. Et pour mettre en lumière en fait son passé, savoir où sont passés ses parents, pourquoi les dinosaures se sont éveillés. Elle va commencer par passer l'éclosion. En fait, c'est une série d'épreuves, dont le but en fait est de pouvoir accéder au statut de Nora et d'intégrer la tribu Nora. Donc le stream s'est arrêté après l'éclosion, donc elle a réussi. Elle est devenue Nora. Et elle a été nommée chercheuse par les matriarches. Les matriarches, c'est les personnes en général assez âgées. C'est les grands sages en fait de la tribu Nora. Et elle a été nommée chercheuse, en fait, ça lui permet d'accéder à toute la map, en fait, au monde entier, en fait, du jeu. Elle n'est plus cantonnée en fait à rester dans l'étreinte qui est détenue par les Nora, mais elle peut aller au-delà. Et donc en tant que chercheuse, elle va pouvoir sortir de l'étreinte et aller enquêter sur son passé, déjà dans un premier temps, mais rechercher des éléments sur son passé, en même temps, en parallèle, de savoir ce qui a activé les dino machines en fait. Et donc voilà, donc le précédent stream s'est arrêté là en fait. Elle est devenue chercheuse et maintenant on a accès à toute la carte. À lancer l'enquête sur ce qui s'est passé, pourquoi l'humanité a été décimée, et voilà. Donc, allez, c'est parti. Bon stream à tous. C'est parti. Là, elle est devenue Nora juste après l'éclosion, mais enfin toute son enfance et son adolescence, en fait, elle a toujours été rejetée, toujours été seule, parce qu'évidemment, elle a été élevée par Rost, qui d'ailleurs, j'ai pas précisé, mais Rost est décédé, en fait, dans le précédent stream. Il a été exécuté par Elys,
qui est le commandant de l'organisation des Eclipses, donc l'éclipse antagoniste du jeu. Et donc, alors il va profiter de partir au-delà de l'étreinte pour en plus essayer de retrouver Élis et de venger la mort d'Horost, qui s'est d'ailleurs sacrifié pour elle. Sinon, Élis l'aurait tué. Il est arrivé au dernier moment, il a donné sa vie. Je suis désolé, j'ai un peu le nez bouché, je suis un petit peu enrhumé, donc j'ai du mal à parler. Alors, où on est? Donc là, on est sorti, on s'était fait attaquer par des machines, mais c'est bon. Bon, allez. Donc voilà, on va pouvoir sortir de l'étreinte. On va voir si on peut faire un peu des achats, des emplettes. Cette arme à faible cadence de tir peut immobiliser temporairement les machines en les entravant au sol. Les grands types nécessitent davantage de cordes. Si vous attaquez une machine entravée, son temps d'immobilisation sera réduit. Ok, lance-câble, lance-corde. Arc de précision. Faible cadence de tir. Arc de guerre. Dégâts minimes. Arc de précision, mais je vais quand même regarder, je sais pas ce que j'ai. Compétence. Non, on va prendre ça parce que j'ai pas le temps. Arc de chasseur Karja. 80. Maniement 20 et munitions. 240. Je sais pas comment faire, je sais pas si j'achète cette arc. Oh, c'est pénible. Parce que là, le problème, c'est qu'après, j'ai plus beaucoup de. Longue portée. Ouais, c'est bon, on va le prendre. Voilà, équipé. Merci. Voilà. Ensuite. Destiné aux guerriers. Le plastron métallique protège contre les attaques de combat rapprochées. Discrétion maximale. Ok. Ressources. Ça, je pourrais en avoir besoin. J'ai pas beaucoup de ressources pour l'instant, donc je voudrais pas trop. En plus, j'en ai 3 déjà. C'est gratuit donc on se sert. Ce qu'on y est. Arc de précision. Vous avez obtenu une nouvelle arme puissante, l'arc de précision qui peut tirer de nouveaux types de munitions. Ce défi de combat vous permettra d'apprendre à l'utiliser et de vous entraîner. Éliminer les veilleurs. Ouais, mais c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais aller. Modification. Ah, j'ai pas mis des modes. Ah si, il y en a. Je l'avais pas vu. Ben, je pense que c'est bon.
Attends. Compétences. Alors, par quoi allons-nous continuer? Attaque du dessus. Silencieusement et mettre. Ok. Viser en équilibre. Ça, non. Enfin, pas encore, ça sert à rien. Enfin, on va dire que c'est pas le plus utile. Réduit davantage votre visibilité. Ok. D'accord. Ok. Attaque légère à la lance en fonction de détacher le blindage et les composants. C'est du pilotage. Genre, c'est supplémentaire. Éliminer des veilleurs. On veut déjà qu'on aille dans une prairie où il y a des veilleurs déjà. Charognard, là c'est les galopeurs, voilà. Mais il n'y a rien là. Ah mais je l'ai appelé. Ah oui, c'est bon. Le problème c'est que normalement sur la carte il y a marqué quand il y a des regroupements ou des attroupements de machines, il y a toujours une zone qui est. Qu'est-ce que c'est? C'est où? Alors moi, il y en a qui sont en difficulté, mais je ne vois pas où c'est. C'est vrai que ça vaut une vie, là. J'ai trouvé. Oh, est-ce que tu m'entends? Pas besoin de présentation. Prom, je t'en prie, c'est Olara. Oui, j'arrive. La vitesse avec laquelle la nuit est tombée, je sais pas si c'est la nuit ou non, c'est la tempête. Bon, on va aller voir notre ami qui a l'air en difficulté. Ah mais on peut pas gagner. Brom, s'il te plaît, viens, je t'attends. Voilà. Je vois pas bien. Par où on peut monter? Allez. Je risque de le regretter. Pour monter là.
Parce que par rapport au temps, on peut pas, hein, parce que c'est une... Ah, mais j'avais pas vu. J'avais pas vu. Que se passe-t-il ? Prof ! T'as besoin d'aide ? C'est toi qui as survécu à l'éclosion. Oui, j'ai besoin d'aide. Il y a 10 ans, mon frère a été banni. Sa peine est terminée, mais il n'est pas rentré. Son campement est désert. Et souillé de sang. Il y avait du sang au campement de ton frère, c'est ça ? Les braves sont allés à sa recherche et c'est ce qu'ils ont trouvé. Je pense sans cesse à ce qui a pu lui arriver. Est-ce qu'il est vraiment mort ? Ou seulement blessé ? Est-ce qu'il souffre ? Est-ce qu'il a besoin d'aide ? Cette incertitude, ça me tue. Qu'est-ce que tu fais ici toute seule ? Tous les jours, je faisais une marque au mur. Je savais que la peine de Brom était terminée. Depuis, j'en ai fait 3. Et il n'est toujours pas là. J'ai supplié les matriarches d'envoyer des braves à sa recherche, mais ils n'ont trouvé qu'un campement souillé de sang. D'après les braves, il est mort. Mais je veux en être sûre, alors je suis partie à sa recherche. Pourquoi ton frère a été banni ? L'un des chasseurs était cruel et l'embêtait tout le temps. Je me suis absentée 1 heure. Le chasseur est venu le tourmenter, mais cette fois-là, Brom s'est rebellé et lui a fendu le crâne avec une pierre. Les esprits le lui avaient ordonné, à ce qu'il a dit. Les murmures des oubliés. Ça lui a coûté 10 ans. Je n'aurais jamais dû le laisser seul. Ce sont qui, ces oubliés ? La toute mère maudit les impies qui ne veulent pas se repentir. Et les exclut de sa mémoire éternelle. Les oubliés sont ces esprits perdus. Brom affirmait qu'il lui parlait, qu'il lui donnait des ordres. C'était un tel fardeau pour lui et je ne pouvais rien faire pour l'aider. Je vais essayer de retrouver ton frère. C'est vrai ? Laisse-moi t'accompagner. Je t'embêterai pas, je saurai me faire discrète. J'irai plus vite toute seule. D'accord, je comprends. Mais je t'en supplie. Trouve-le. Bon, on est dans la même quête. Ouais. Du coup, j'ai pas fait la petite quête là sur la. Sur le didacticiel. Brom, le frère de Lara, était censé rentrer après 10 ans d'exil, mais il a disparu, laissant derrière lui un campement couvert de sang. 1000 points d'expérience et une boîte de récompense remarquable. Allez, c'est parti. Bon, ça va, c'est pas loin. C'est pas loin, par contre, moi que je pense. Il y a des veilleurs. Je sais pas si quand la quête elle est pas active ou qu'elle n'est pas sélectionnée. Je sais pas si ça compte ou pas. Par exemple là je vais laisser les oublier. Si jamais je vois des veilleurs et que je les tue, est-ce que ça comptera pour l'autre quête ou pas? Je sais pas. Voilà, c'est encore les charognards. Je la préparerai plus tard. Il fait sombre. C'est un peu la météo qui fait dehors. C'est pas génial. Quand même la remettre parce que on m'a vu, c'est parti. Ah.
parce qu'il n'y a pas. On verra qu'il faut en aller. Allez, s'en aille, s'en aille. Mais pourquoi? Ah, dans l'œil, d'accord, faut. Bon, j'ai fait tout ça pour rien. J'avais pas lu le... la quête jusqu'au bout. Donc, Tiens donc. Bon, je vais essayer d'en retrouver. Mais en attendant, je vais continuer la quête. Bon, c'est... Là. Allez. Dépêche-toi, s'il te plaît. Hop. Des petites ressources qui sont toujours utiles. J'espère qu'il y aura d'autres veilleurs, parce que du coup là, ça va servir un peu à rien. Ah, mais parce que j'aurais dû. J'ai pas pensé. J'aurais dû utiliser la faculté de ralentir le temps. Ouais, c'est pas. C'est pas un truc que j'ai l'habitude d'utiliser, donc. Moi, je sais plus, je crois que c'est L1 ou R1, je sais plus. On va voir si je vais me mettre. Occupons-nous de ces veilleurs. Comme ça. Voilà. Sans le voir, j'ai plus le temps de les tuer. Du sang, mais pas de cadavre. Il faut que je tire ça au clair. Cette trace de sang s'éloigne du campement. Appuie sur R1 quand le réticule est sur les traces. Pour les marquer, les traces marquées restent visibles une fois le focus désactivé. Ok. Non, mais attends, parce qu'il y en a une qui m'énerve là. À qui est ce couteau? Brom, c'est aussi le nom de Jeremy Irons dans Eragon. Quelqu'un aurait attaqué Brom avec? D'autres traces de sang. Elles mènent vers un autre endroit. Là, un seau.
apporté le sang au campement? Les traces de sang s'arrêtent là. Il doit sûrement y avoir des empreintes de pas. Mais où est Brom? Ça se trouve, il est en train de vider un tonneau de chopin, là, pour lutter contre le froid. Ça va dégénérer. Coucou. Mais là, elle n'a pas encore eu du chemin. Le berceau de la mer. C'est bizarre. Le sang du campement, ce serait celui du sanglier? Si Brom a fait ça, c'est qu'il veut faire croire à sa mort. Mais pourquoi avoir profané le sanctuaire? Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'elle fait avec ces chèvres de merde? D'ailleurs, on dirait. Celui que je piste ne lui a laissé aucune chance. Ah, quelqu'un qui arrive. Si c'est Brom, il maîtrise le maniement de la lance. Pas à court de ressources quand même. Voilà. On est paré. Bon alors, où est-il? Cette réserve a été pillée. Allez. Brom a été un paria pendant des années. Pourquoi voler tout ça aujourd'hui? Ah, peut-être qu'il voulait faire l'éclosion lui aussi. Il avait besoin de suivre les traces. C'est ce qu'il y avait dans la réserve. Pourquoi?
l'avoir pillée pour tout jeter ensuite. Eh bien, on en fait des kilomètres. Avant de lui faire du mal. T'es pas un esprit. Qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu t'éloignes du bord, Brom. Non! Laisse-moi tranquille. Tu vois pas qu'il me faut du temps pour réfléchir? Comment veux-tu que je réfléchisse si tout le monde me crie dessus en même temps? Toutes ces voix qui te parlent sans arrêt. Ça doit être épuisant. Je te promets que la mienne sera douce et apaisante. Une voix douce? Comme celle de Lara? Oh, ça fait si longtemps. Des années. Ouais. Ouais, je vais... Je vais t'écouter. C'est mieux. Alors dis-moi, qu'est-ce qui te tracasse? Les esprits des oubliés. Des âmes maudites par la Toute-Mère. Leur voix... me laisse jamais en paix. Elles me disent de faire des choses, de faire du mal si je retourne dans la tribu. Elles me diront de faire du mal à Olara. Alors, je préfère me tuer plutôt que laisser ça arriver. Tu es obligé d'écouter les esprits, Brom? Ils sont en train de me parler en ce moment. Ils sont toujours là. Ils prennent soin de moi. Ils me tiennent compagnie. Ils m'aident. Sauf quand ils crient. Comme quand le chasseur m'a poussé. Brise-lui le crâne avec une pierre, ils ont dit. Et je l'ai fait. Brom. Tu es vivant. Béni soit la Toute-Mère. Pardon de t'avoir suivi. Je voulais être certaine qu'il allait bien. Oh non. Non, 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 non. Non, 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 ma sœur. Je peux pas te protéger. Tu n'as pas besoin de me protéger, Brom. Il a peur que les esprits lui disent de te faire du mal. Ta voix pourrait les faire taire? Oui, comme avant son bannissement. Il n'a fait de mal qu'à une seule personne qui l'avait provoqué. Je veux pas te faire de mal, mais les oublier, leurs murmures, ma tête est pleine de leurs cris. Brom n'est pas prêt à revenir dans la tribu. Mais je ne crois pas qu'il te fera du mal. Je connais un endroit où camper. Une grotte dans la montagne de la Toute-Mère. Et tu pourras toujours venir me rendre visite, tant que je reste fort. Tu le resteras, Brom. Je t'aiderai. Merci, Aloy. Je vais m'occuper de Brom. Que la mémoire éternelle de la Toute-Mère t'accompagne. Et puisse les oublier, te laisser en paix. Sur le complot qui vise à la tuer, Aloy doit quitter les terres sacrées des Nora et se trouve face à un gros problème de machine corrompue. Tester le dispositif de piratage sur une machine, pirater un galopeur. On y va. Des galopeurs. Je vais tester le dispositif de piratage sur eux. Il vaut mieux que je me fasse discrète. J'ai pas très envie de finir piétinée par une horde effrayée.
Doucement. Et c'est parti! Allez, allez! Ça a marché! Et voilà! Bravo! Est-ce que sympa? Ya! 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 Avance! Il est rapide ce galopeur! C'est mieux que marcher! Je devrais essayer de pirater d'autres machines! Je pourrais pas toutes les chevaucher, mais... Pas de... Parler à Varl. Varl, c'est le marchand ambulant. Je crois. Cette musique. Bruit de combat. Juste derrière les portes. Les portes sont défoncées. Attention ! Faites-le approcher ! Je suis prêt ! Varl, je suppose ? Oh, c'est Kat. Aloy. La paria qui a remporté l'éclosion. Alors comme ça, tu as survécu. La haute matriarche Tirsa dit que tu connais la route de Méridien. La capitale de l'Hélium Garja ? Mais dis-moi, tu cherches à t'exiler ? Non. Un traître du nom d'Oline. Les matriarches m'ont nommé chercheuse pour que je le retrouve. Alors, tu dois aller jusqu'à la couronne de la mer au nord. Si tu y parviens, parle à Maréa, elle te renseignera. Compris, merci. Oui, la route est dangereuse. Depuis le massacre des guerriers, nos terres et nos frontières ne sont plus surveillées. Nous n'avons plus de chef de guerre. Ce n'est pas censé être Resh ? Seulement parce que Sona a disparu. Je partirai bien à sa recherche, mais elle m'a ordonné de garder cette porte au péril de ma vie. Alors c'est ce que je fais. Tu as dit que ce serait dangereux. Tu peux m'en dire plus ? Ce serait trop long à t'expliquer. Les assassins sont toujours là, et ils semblent même avoir corrompu les machines. Ils répandent leur folie. C'est vrai. J'ai vu ça de mes yeux. Et les bandits ? Des truands qui franchissent la frontière pour nous attaquer. D'après ce qu'on dit, ils ont un camp aux ruines en amont de la rivière. Il va falloir que je me fabrique des flèches. Tu sais que j'ai gagné l'éclosion. Comment tu l'as appris ? Les survivants m'ont dit que tu t'étais bien battu, ainsi que Bast et ma sœur Vala. Ta sœur, c'était Vala ? Je suis désolée. Je l'aimais bien.
J'ai même cru qu'on aurait pu devenir amis. Si on avait eu du temps. Merci. Elle s'est sacrifiée pour les autres. C'est la plus belle des morts. Tu dis que le groupe s'est fait massacrer. Comment ? Quand on a eu vent du massacre de l'éclosion, la chef de guerre a rassemblé un groupe pour trouver les tueurs. Mais dans leur précipitation, quelques braves qui voulaient se venger sont tombés en plein dans une embuscade. Une meute de machines enragées et corrompues a attaqué les braves et les a massacrés. Sona, la chef de guerre, a mené une contre-attaque et détruit les machines. Mais les assassins étaient bien loin. Et nos pertes étaient innombrables. Tu as dit que Sona avait disparu ? Même après le massacre de nos guerriers, elle n'a pas voulu abandonner la traque. Elle a fait appel à des volontaires pour pourchasser les assassins. Tu ne l'as pas suivi ? Si, je le voulais. Mais Sona me l'a interdit. Elle m'a donné l'ordre de ramener les blessés vers l'étreinte et de garder cette porte, de protéger l'étreinte, coûte que coûte. C'était il y a des jours, et depuis, on n'a plus de nouvelles d'elle. Donc il n'y a aucun moyen de savoir si elle est toujours en vie. S'il y a bien quelqu'un qui peut survivre, c'est bien elle. Sona a un talent unique. Elle est comme une lance incassable face à laquelle nous nous mesurons tous. Elle semble mettre la barre très haut. Oh, tu n'imagines même pas. C'est ma mère. Je ferais mieux d'y aller. Aloy, avant de partir vers la couronne de la mer et au-delà, est-ce que tu pourrais essayer de retrouver Sona ? La tribu a besoin d'elle. Je serais bien parti à sa recherche, mais elle m'a ordonné de rester ici, coûte que coûte. Où a-t-elle disparu ? Là où nos guerriers ont été massacrés. Cette cuvette boisée, sur la rive opposée à la soif du démon. Tu parviendras peut-être à retrouver sa trace. Elle a poursuivi les assassins qui ont attaqué l'éclosion, qui ont tué nos proches, qui ont essayé de te tuer et... Je comprends, Varl. Je verrai ce que je peux faire. Bon, on va retrouver Sona. Sona, chef de guerre Nora, a disparu à la suite d'une embuscade où ont péri des dizaines de braves. Varl souhaite qu'Aloy la retrouve. Rejoindre le lieu du massacre où le groupe guerrier Nora a été victime d'une embuscade. Couronne de la mer. Bon d'accord, on va faire celui-là. Allez. C'est où ? Que la déesse te protège. Toute ma vie, je l'ai passée dans l'étreinte. Le monde est soudain plus grand. Et plus dangereux aussi. Une embuscade tendue par les machines. Tout va bien, chasseur. Tu étais avec le groupe guerrier tombé dans l'embuscade ? Pas exactement. Et je suis pas chasseur, ni un brave. Je suis rien, en fait. Tu devrais même pas me parler. Eh bien, qui que tu sois, tu es blessé. Explique-moi. Je m'appelle Kren. J'ai voulu tenter les épreuves de la zone de chasse, sur les hauteurs, tu comprends ? Pour m'entraîner. Et... ça s'est pas bien passé. Tu t'es blessé dans une zone de chasse ? Comment ? En fait, je visais une bonbonne sur le dos d'un brouteur, mais la corde de mon arc s'est cassée et j'ai trébuché et... Bon, oublie ça. J'ai raté mon coup.
Je voulais m'entraîner un peu. La zone de chasse, c'est l'endroit idéal. Il y a des épreuves, des sorts de défis, et on reçoit des insignes quand on atteint des objectifs ou qu'on bat le temps imparti. Le gardien est en haut de la colline, juste au nord. Va lui parler pour en tenter une. Je suis sûr que tu feras mieux que moi. Ah non. Pourquoi tu disais que tu n'étais rien et que je ne devais pas te parler? J'ai volé un arc, d'accord? Et on m'a banni. C'était avant l'éclosion. Du coup, j'ai même pas le droit de défendre ma tribu qui est attaquée. Je dois vivre dans les terres sauvages, tout seul. C'est pour ça que je voulais m'entraîner. Déjà, j'étais content que le gardien accepte de me parler. Je me demande si c'est pas un exilé. Apparemment, il n'en a rien à faire des lois des matriarches. J'ai l'impression que tu as pas mal de problèmes. Si je peux t'aider, dis-le-moi. Non, non, ça va aller. Mon père disait toujours que la toute-mère avait prévu mon destin. C'était avant qu'il se fasse écraser par un galopeur. Je dois continuer mon chemin. D'accord. Sois prudente. Surtout si tu vas vers le nord. Et fais un tour à la zone de chasse si tu veux t'entraîner. Ouais, mais là... on va essayer. Bah, ça gêne pas trop parce que ça fait perdre du temps brouillé. Bon, on va essayer d'en faire une paire puis quand c'est galère, on continuera la quête principale. J'ai pas trop envie de passer l'après-midi là-dessus. On va voir le gardien. J'ai vu Kren. Il m'a dit que c'était une zone de chasse et que tu offrais des épreuves. Pauvre Kren. Un piètre chasseur. Mais au moins, il s'est resté fier. Tu portes la marque d'une chercheuse. J'en avais entendu parler, mais jamais vu. Tu as l'autorisation des matriarches de te promener comme tu veux sur les terres sacrées? Oui, mais je serais sorti même si elle me l'avait interdit. Ah, vraiment? Alors je peux peut-être te faire confiance. Tu sais, je travaille avec les Karja. Je représente un groupe appelé le Pavillon des Chasseurs de Méridian. On fait passer des épreuves aux jeunes chasseurs les plus prometteurs. Tu pourrais bien être le genre de personne qu'on recherche. Et si tu passais les épreuves pour le savoir? Une précision. Je te remercierai de garder notre conversation pour toi, en particulier avec les matriarches. Tu n'es pas censé être là, je me trompe? Non. Mon ami et moi sommes revenus dans les terres sacrées. Les matriarches n'approuveraient pas, voire pas du tout. On est chasseurs dans l'âme. On est parti chercher plus de troupeaux et de machines. C'est pour ça que le pavillon nous appelait. Mais les Karja n'auraient jamais accepté de Nora, alors on s'est déguisé pour apporter nos insignes. Mais après un temps, on s'est senti pris entre deux mondes. Pas des Karja ni des Nora. La tribu nous manquait. Alors on est revenu pour créer notre propre zone de chasse. Tu crois que ça va marcher? Que vous pourrez rester malgré les matriarches? Je ne sais pas. Mais on ne croit pas en leurs règles. Il y a tout un monde dehors, et ça n'avance à rien de l'ignorer comme ça. Dis-moi en plus sur les épreuves. Le pavillon organise des épreuves dans les zones de chasse. Elles permettent aux chasseurs de tester leurs compétences. On gagne quoi quand on réussit? La fierté du succès, et des insignes en fonction de tes résultats. Ici, c'est des épreuves d'outils. Quel genre d'outils? Ce qui se présente à toi, même l'environnement. Tu comprendras quand tu passeras les épreuves. C'est quoi ce pavillon? Un groupe de chasseurs qui s'affrontent pour tenter d'abattre les machines les plus redoutables, géré par les Karja à Méridian. Tu pourras aller voir si tu gagnes 3 demi-soleils dans la zone de chasse. Juste un petit conseil, ils n'aiment pas les Nora. Fais ton choix. Quelle épreuve t'intéresserait? Je te dirai quoi faire. Choisis l'épreuve.
Teste ton niveau à l'arc en tirant des flèches sur des pièces sur le dos des brouteurs aussi vite que possible. Parfait. Je lancerai le compteur quand tu prendras une corde. Bon, déjà... Déjà... Il faut virer cet arc. C'est un arc de précision, donc forcément, il y a moins de rapidité. On peut voir ça. Voilà. Pour avoir un soleil d'or. Ça va être chaud quand même. Déjà, je passe la minute 30. Une machine. Oh non. Oh, c'est abusé. Je suis trop chargé. Là, je passe la journée là, donc c'est un peu, c'est pénible. Le problème, c'est que je pense en fait que les brouteurs, en fait, j'ai dû en tuer un. J'ai dû en tuer un sans taper dans les bonbons, du coup, ça. Tu n'as malheureusement pas fini à temps, mais retente ta chance. Ouais, merci. Teste ton niveau à l'arc quand... J'ai hâte de voir comment...
dégage, l'autre. Sur vous aussi. Oh non! Oh, ça fait deux fois. Ouais, c'est bon, j'arrête. On va se rejoindre ici, mais à chaque fois, je sais pas, je dois en tuer à chaque fois, c'est... Non, mais à chaque fois j'arrive à 9 et puis finalement. Je vais devoir abandonner. Je crois qu'on va continuer sur la quête principale. Alors attends, carte, quête principale. Allez, on va essayer de retrouver Sona. D'abord, on va récupérer un peu sur les cadavres. Voilà. Quelques petites provisions. Allez, c'est parti. Ensuite. T'as encore une quête annexe ? Bon. Bon, on va avancer un peu l'histoire, sinon ça avance en place. Mon focus capte un genre de signal. Je peux peut-être le scanner. Allez. Ces ruines, ça doit être la soif du démon. Une des villes des anciens. De l'âge de métal. De la mer, le cœur de la mer. Allez les petits, ça se passe par ici. J'arrive. Envoyez tout un troupeau en bas de la pente. Regarde cet endroit. Varl avait raison. Un autre massacre. Les Nora ont réussi à abattre un corrupteur. Mais pas avant que les tueurs l'aient utilisé pour leur envoyer d'autres machines. Les blessés ont tous été déplacés. Il n'y a plus de braves ni de soigneurs ici. Je suis seule. Tu es blessée. Qu'est-ce qui s'est passé?
tant de choses. C'est la folie ici. La chef de Gersona m'a nommé messager. Je lui sers à rien dans cet état. Varl m'a dit que la chef de guerre avait suivi les tueurs. Elle les a trouvés ? Je sais pas. On a suivi leur piste, mais on était sans arrêt attaqués par des machines corrompues. Mes blessures commençaient à me ralentir. Alors la chef de guerre m'a renvoyé dire aux autres qu'elle poursuivait le combat. Tu étais ici quand les guerriers ont été pris en embuscade ? En effet. Je pensais qu'aucun jour ne serait plus sombre que celui de l'éclosion. Mais j'avais tort. La chef de guerre a été retardée, elle rassemblait l'arrière-garde. Trop pressée de se venger, les braves sont tombés dans un piège. D'un coup, des dizaines de morts. Si Sona n'était pas arrivée pour nous rallier, nous aurions tous été massacrés. Varl m'a envoyé chercher Sona. Près de la tour de métal, au sud-est des ruines de la soif du démon. Regarde la côte juste derrière, celle avec le rocher. Je me dirige vers l'étreinte pour dire ce que je sais à Varl et aux autres. Que la toute mère te prête sa force. Toute seule, t'en auras besoin. Mais non, il sait pas à qui il parle. Bon, allez, c'est parti. On y va. Allez, on va pas. La soif du démon. La soif du démon. Plus qu'un genre de signal. Je peux peut-être le scanner. Signal inconnu, transmission en cours. En tout cas, ça bouge. Donc, c'est ça, un grand coup. Ça correspond à la description de la. Le signal pourrait venir de là. Grand coup, soif du démon. Bon. Ah, mais... Non, mais c'est pas... Ah non, mais c'est une autre quête, là, je crois, c'est pas... Bon, c'est pas grave, on va aller le voir. Oh, une voiture. Alors c'est quoi ça? Chevrolet? Non, BM. Ah ouais, le grand coup. Je crois que le signal vient de la tête de ce grand coup. Il doit y avoir un moyen de grimper là-haut. Plus de place. Bracelet noir antique. Bon. Sa tête,
et je te laisserai tranquille. Donc le grand coup se souvient de tout ce qu'il croise et envoie les infos aux autres machines. Traditionnel. On va rejoindre la dernière position connue de Sona. Et c'est parti. C'est sûrement la côte dont le messager de Sona a parlé. La chef de guerre s'est arrêtée là. Où est-ce qu'elle est allée ensuite? Ce vieil arc a connu bien des combats. Ils ont dû prendre le temps de se reposer. Des bandages. Des fragments de flèches. C'est récent. Il vient d'être dépecé. Personne ne l'aurait abandonné volontairement. Sona a subi des pertes. Le messager n'était pas le seul à être blessé. Une piste de sang, peut-être. Je vais la scanner avec mon focus. Sona et ses braves ne doivent pas être loin. Ça n'a pas dû être facile de continuer après l'embuscade. Elle en fait des kilomètres en courant quand même. Les traces de pas et du sang. On dirait que Sona et ses braves se sont dirigés vers cette saillie. Pratiquer une activité physique régulière, c'est bon. Check. Non ! Un dent de scie mort. De la main de Sona, peut-être. Elle est sûrement tout près. Oh, il y a une grosse araignée là-bas sur la... sur la montagne. T'as de la chance que je sois passé. Une seconde de plus et ce dent de scie t'aurait complètement déchiqueté. Une seconde de plus et c'était moi qui le tuais. C'est toi, la chef Sona? Varl m'envoie te trouver. Il garde bien la porte? Avec courage, oui. Je l'ai même vu abattre une machine corrompue. Mais il s'inquiète pour toi. On a besoin de force, pas de sentiments. J'ai retrouvé certains des tueurs de l'éclosion.
J'ai besoin de vengeance. Et toi? Tu n'as même pas idée. Prouve-le-moi, en combattant avec nous. Suis-moi. Les tueurs sont derrière cette saillie. Ils creusent le sol maudit. Le péché des anciens est enfoui dans cette terre, des démons corrupteurs. Je les connais. J'en ai eu un au gué de la mer. Si tu me dis, voyons si tu seras à la hauteur. Mais oui, t'inquiète, mamie. L'affaire est dans le sac. Que mes braves se cachent dans les arbres en contrebas. À mon signal, ils attaqueront. L'ennemi et ses machines démoniaques sont plus nombreux, mais nous pouvons compter sur notre colère. On pourrait avoir mieux que ça. J'écoute. De la flambée. On l'utilise pour brûler, eux pour faire exploser. C'est de là que vient cette fosse. Alors on l'enflamme et ensuite... Boum. Alors c'est parti. Wow, wow. Attendez, pas trop vite. Je vais essayer d'approcher discrètement. Si jamais je me fais repérer, attaquer. D'accord. Prouve-nous ce que tu sais faire. Ça, c'est de la flambée. Ouais. Moi qui aime voyager léger. Bon, alors, attends. Ouais, mais là, le problème, c'est que si je... Ouais, mais je veux pas trop descendre par les câbles là parce que. Là, ils ont envie de te repérer quand même. Tuer les membres de la secte et les machines corrompues. Détruire les conteneurs de flambée. Finissons-en. J'ai cru. Oh, ok. Pour la discussion, on repassera. Ça va? Bienvenue sur le stream. Bon ben on a réussi à faire ça sans trop de discrétion, mais quand même on a réussi. Raté. Allez, c'est bon, il reste 2 vies. Voilà.
parler, on va quand même récupérer. Pas de place. Hop. 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 Non. Voilà. On peut toujours récupérer un peu des ressources, ça peut toujours servir. Allons parler à Sona. Il reste encore des tueurs. J'en avais compté beaucoup plus pendant le massacre. Si je dois poursuivre leur ombre perverse jusqu'à la pointe de lance, je le ferai. Tu sais, Mir, tu es blessé. Ma santé ne te concerne pas. Elle a raison, chef Sona. Laisse tes blessures se refermer. Varl, mais qu'est-ce que tu fais là? Je t'avais dit de garder cette porte au péril de ta vie. C'est ce que j'ai fait. Jusqu'à ce que ton messager ne revienne m'expliquer sa rencontre avec Aloy et où tu te trouvais. La porte est bien protégée. Ma place est ici, avec toi, avec notre vengeance. Je ne l'ai pas méritée. Ce serait bien si je pouvais examiner les lieux. J'arriverais peut-être à retrouver la trace des autres tueurs. Fais ce que tu veux. C'est ce qu'ils font tous. Mère. Putain, je vais faire péter le compteur, vous allez le regarder. Non, quand même. Quand même. Examiner le site de fouille. J'aurais dû prendre un chariot. T'as raison. Lieutenant, au cours des derniers mois, des explosions accidentelles de flambées ont tué de nombreux hommes. Ici, à l'anneau de métal, j'ai pris la précaution de placer tout notre stock de flambées en sécurité, à l'abri des étincelles et de la lumière. J'ai posté des gardes pour contrôler l'accès. Je vous conseille de prendre des mesures similaires. Vous en subirez les conséquences. Le responsable du ravitaillement, terminé. Officier de l'Eclipse. Une réserve de flambées dans leur base. Si on sabote ça, on gagne la bataille. L'Eclipse, l'organisation qui a tué Rost et tous les autres. J'ai quelque chose. Le reste des tueurs campe à l'intérieur d'un anneau de métal. Est-ce que ça te dit quelque chose? Bon sang. L'anneau de métal se trouve dans les ruines du deuil du démon. Cet endroit est tabou. Je vais retourner voir les matriarches, leur demander un passe-droit. On n'a pas assez de temps pour ça. Comme toujours, le sang appelle le sang. Si le sol est maudit, que notre vengeance le sanctifie. Quel blasphème! Je vous en prie, chef Sona, il faut briser les tabous. Le deuil du démon est un lieu maudit. Mais la bénédiction de la chercheuse sera avec nous. Piste nos ennemis, trouve-les. Mais garde tes flèches, nous nous retrouverons dans cet endroit atroce. Et nous frapperons ensemble. Ça a l'air d'un bon plan. À tout à l'heure. La piste de la chef de guerre. Parlez à Valérie. Merci. Tu ne seras plus si reconnaissant quand tu verras dans quoi je nous entraîne. Bon. 1750 points de récompense. Expérience. 802 pas. Bon, c'est pas à côté. Allez. Bon, là, c'est un peu à piquer, bien sûr. Oh. Ah bon, si ça avait été moi à sa place, ça fait là. Je me serais déjà pesé les deux genoux, les deux chevilles, la hanche. Légèrement boisé. Le temps change trop vite. Il y a trois secondes, il faisait beau. Désolé. J'ai déjà trop de choses.
il pleut. La pluie, ça m'est remonté dans un jeu dans ma vie. Oh la vache. Oh. J'ai plus de place. Ouais. Le deuil du démon. C'est un peu dark quand même comme nom. Soif du démon, deuil du démon. Une seconde. Je dois poser quelque chose. Bon. Et une poulette. Une. Le temps il change à une vitesse, vas-y, il fait beau. La vache. Il n'y a pas d'herbe.
Je dois apprendre à pirater plus de machines. Si ça m'avait pas dit ça, je m'en serais pas rappelé, mais c'est vrai que je pourrais. Je vais essayer de pirater, lui. Le Dancy, là, je vais le faire. Il sera mon nouveau compagnon. Allez, dégage. En fait, il est trop rapide, quoi. Du coup, en mode discrétion, mais t'arrives pas à le rattraper. Et donc, il faut se mettre en mode normal, et là, il se retourne. Hein. Il y a un qui arrive, hein. Attends. Se reposer au feu de camp, ok. Donc là forcément il va faire nuit. Voilà. Ah non, si. Deuil du démon. Ce sera plus difficile que je le pensais. Tu te demandes jamais à quoi ça pouvait ressembler? À l'époque des anciens? Tu n'es pas comme les autres, Nora. On me le dit tout le temps. Chef Sona, nos hommes ont trouvé des camps ennemis dans les ruines, sur le chemin menant à l'anneau de métal. Alors on doit s'occuper de ces camps en premier, pour qu'ils ne sonnent pas l'alerte. Très bien. On vide les camps, et nos ennemis dans l'anneau de métal ne verront rien venir. Je vais désactiver les alarmes. Envoyons des braves dans chaque camp, tapis dans l'ombre. Tu commenceras, ils finiront. Alors... ok. Nettoyer les campements. Oh, là, je pense qu'il va y avoir du... il va y avoir du fight dans l'air. There is fight in the air. Oh non, ils ont attaqué. C'est bon. Voilà. Oh.
sûr. C'est déjà plein. Notre objectif est atteint. La espèce de cloche. En fausse dans le tas, c'est où? Alors voilà, au plus proche. On va y aller direct. Quelque chose vient de bouger là. Allez, bonjour. Est-ce que je pourrais monter sur là? Allez, dépêche-toi. Ça me fait la journée. Tu peux plus échapper à qui c'est encore?
maintenant. Ne le sous-estimez pas, les Nora. Que la déesse soit louée, c'est terminé. Voilà. Que la déesse soit louée, c'est terminé. Ah mais c'est vrai que j'ai pris des... Quand le voyage est léger. C'est vrai que j'ai pris des coffres aussi, je crois que je les ouvre. La route 192 points. J'arrive. Salut les gars. Salut les gars.
plus haute. Ah, j'ai encore oublié d'ouvrir les coffres, c'est vrai. Je pense. Bon, on va voir que mon avis, je dois avoir l'inventaire plein. Donc. Plus de place. Oui, si, oui, si. Ça arrive plus vite. Qui filtre à travers les arbres et les bâtiments, c'est quand même pas mal. Ça fait classe. Salut les gars. Les corps ne sont plus un problème. Direction l'anneau de métal. Ces hauts remparts protègent les nids. On devra escalader sous les tirs, si jamais nous sommes repérés. Attends, j'ai une autre idée. Leur base a une faiblesse. Je vais y aller seul et en tirer parti. Si ça fonctionne, je provoquerai une explosion qui créera un trou assez grand pour que vous puissiez passer. Ça me va très bien. À condition que je t'accompagne. Une chef de guerre accepte avec gratitude de flèches impatientes de jaillir de l'arc. Tu vas pas voir. Oui, Varl. Accompagne Aloy pour l'assister. Tu vas pas voir dans la main. Sois prudent. Ouais. Oui, chef Sona. Je le serai. Allez-y. Nous attendons votre signal. Désolé, j'ai rien suivi à ce qu'elle a dit. Je sais même pas ce que je fasse. Parce que... Suivre Varl. Allez. Ah, très utile. Il est donc vite. Il est où ? Oh, il est. T'as un plan ? Pas vrai ? Tu m'as suivi jusque-là ? Même dans les ruines ? Tu es censé me faire confiance ? C'est vrai, mais... Comment sais-tu que cette base est la faiblesse ? Patience, il ira un peu mieux. Tu comprendras bientôt. Entrer dans l'anneau de métal. Prends ma main. Oh, il sent une ribambelle.
Chercher dans l'anneau de métal une vue sur la flamme. Il est où? Celui de droite est pour toi. Je m'occupe de celui de gauche. Je me rends compte que j'ai pas trop sauvegardé, même pas du tout. Notre labeur nous épuise, mais on va nous requinquer. Allez, dégage. Plus que deux. Je dois rester. Prends celui de gauche. Si on veut l'utiliser au combat. C'est bien de travailler. Là. L'anneau de métal. Tu vois cet abri couvert? À l'œil, tu vois ces corrupteurs? Du calme, Varl. L'abri est rempli de flambées, toute la réserve du camp. Si je l'embrase, l'explosion détruira les corrupteurs et fera s'écrouler le mur. Une brèche pour que les Nora puissent charger. Mais je l'attendrai pas d'ici. Il faut qu'on se rapproche. Moi, je vais y aller. Fais demi-tour, explique tout à Sona et guide-les de ce côté de l'anneau. Je m'en occupe. Et quand le mur s'écroulera, je serai le premier dans la brèche. Maintenant, je sais ce qu'il me reste à faire. Si je peux rester silencieuse, ce sera bien plus simple. S'approcher discrètement de la flamme. Discrètement, c'est pas trop dans mon vocabulaire. Il y a peut-être un intrus dans ces herbes là-bas. Sois pas mesquin, montre-toi! Je dois juste m'approcher de la flambée et tirer dessus. Par contre, je vois pas trop de...
Fini la pompe. Je suis repéré. Je dois atteindre la flambée au plus vite. Admire notre victoire. La dette de vengeance est payée. Souvenez-vous de ce jour, brave Nora. De vos lèvres aux oreilles de la déesse. Oui, souvenez-vous-en. Soyez prêts à quitter cet endroit. Laissez vos lances et flèches dans les corps de vos ennemis. Elles sont souillées comme le sont ces ruines. C'est fini. Ils pourront plus sévir. Les tueurs, la corruption, ils font partie d'un mystère que je vais découvrir. Où que mène ce chemin, j'irai. Alors, 9 ? Bon, je n'ai même pas fait gaffe, dis. Ah ouais, d'accord. Garde ça pour la route. Parlez à Maria, à la couronne de la mer. Ah oui, c'est vrai, parce qu'il faut rejoindre un méridien, là, c'est vrai. On y pensait plus. Je vais devoir abandonner autre chose.
1300 pas. Ok. Et je me sens pour choupailler. Un mur invisible. Ouais. Gardez ça pour la route. De l'exposition de la lumière en fait. C'est, ouais, il y a des moments quand il fait jour dans le jeu, c'est vachement net. Bon, là visiblement, de temps en temps il va pouvoir. Je vais devoir me battre. Je suis plus là. Encore des cracheurs boursouflés. Pas très rapide. Du calme. Pardon, calme, j'ai pas peur. Ils sont où, c'est qui?
c'est pas très accueillant tout ça. Ah. Celui que je le dise pour que. Je dois être hors de danger. Bon, on va se faire arriver là. Parler à Maria à la couronne de la ville. Bonjour à tous. Alloy, nouvellement parmi nous. Tous ces blessés. Plus courageux d'entre nous sont partis. Notre tribu a été durement frappée. Quel espoir il nous reste. Approche, l'ai bien cherché. J'avais hâte de te voir. J'aurais dû sortir. Alors, c'est toi, Alloy. Les guerriers m'ont parlé de toi. Tu es l'héroïne du deuil du démon. Je n'ai pas combattu seule. Il y a d'autres héros. Tu es Maria ? Varl a dit que tu savais comment aller à Méridian. La capitale Karja ? Il faut que tu ailles vers l'ouest. Mais leurs soldats t'arrêteront bien avant que tu n'arrives sur place. Qu'ils essaient. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une forteresse située à la jonction entre l'est et l'ouest. À ce qu'on dit, les Karja ont bloqué leurs portes par peur des machines corrompues qui infestent nos terres sacrées. Alors, si j'élimine les machines corrompues, ils rouvriront ? Sûrement. Mais je n'ai pas de brave pour t'aider. Je peux me débrouiller. Nettoyer la vallée ? À toi toute seule ? J'ai mon arc. Si tu le dis, sois prudente, quand même. Donc il y a la forteresse Karja à l'ouest, et après, Méridian. Oui, les Karja l'appellent le rempart. Ce n'est pas loin du village abandonné. Quel village abandonné ? Il avait un nom, mais on l'a oublié. C'est là que je suis née. Qu'est-ce qui s'est passé ? La guerre. Les Karja l'ont détruit pendant un des raids rouges. J'avais 15 ans à l'époque. J'ai pu fuir, mais d'autres ont eu moins de chance. Les Nora ont laissé libre la vallée, pour venir ici, à la couronne de la mer. De nos jours, même après la guerre, on évite la vallée. Comme une zone grise entre l'Hélium et nos terres sacrées. Jusqu'où s'étend la corruption ? J'ai vu des machines corrompues au nord de la vallée. Et à ce qu'on m'a dit, il y en aurait au sud aussi, oui. Quelle qu'en soit la nature, elle n'affecte pas que les machines. Elle brûle les chairs et rend malades les blessés. Ces machines corrompues ont des points faibles ? Le feu semble les affecter plus que les machines ordinaires. C'est peu de choses. Seule la déesse pourra nous délivrer de ce fléau. À moins qu'on découvre d'où ça vient et qu'on y mette un terme. Les matriarches ont parlé, Alloy. Nous ne pouvons que combattre et prier la déesse. La couronne de la mer marque la frontière des terres sacrées. Vous voyez souvent des étrangers ? Oui. Pas ici, au village, bien sûr. Dans la vallée, derrière. Depuis la fin de la guerre, la vallée accueille les étrangers, qui commercent avec les Nora, s'ils le veulent. C'est un peu une zone intermédiaire qui n'appartient en fait à aucune tribu. Si ça t'intéresse, va au refuge des chasseurs. C'est plus une série de cabanons et de tentes qu'autre chose, mais c'est un point d'étape pour les étrangers. Le genre d'endroit où je pourrais en apprendre plus sur Méridian. C'est toi qui es responsable de la défense ? Sona me conseille. Mais j'aimerais qu'elle se repose. Bonne chance pour la convaincre. La couronne de la mer sait se défendre.
Pendant la guerre, nous avons survécu à 15 attaques et 3 invasions. Nous tenons bon. C'est justement en s'accrochant au passé qu'on fait de nouvelles victimes. Tu l'ignores sans doute, mais j'ai gagné l'éclosion, moi aussi. Comme toi, le début a été dur, j'ai dû trouver un raccourci. J'ai failli échouer. J'ai franchi l'arrivée avec une cheville cassée. Ce n'est pas l'éclosion, Maria, c'est la vraie vie. Tu ne comprends pas. Être envoyé à la couronne de la mer, c'est moi qui en ai fait la demande. C'était ma récompense. Honorer la gloire d'Enora ne m'a pas encore tué. J'en serais heureuse, si ça arrivait. Il faut que j'y aille. D'accord. Sois très prudente, Aloy. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches. Ça fait des heures que je suis de garde. C'est donc vrai. Tu as affronté les tueurs en plein cœur du deuil du démon. J'espère que c'était la dernière fois qu'on les voyait en Terre-Nora. Mais tu as l'intention de les suivre, derrière les montagnes ? Les tueurs, la corruption, ils font partie d'un mystère que je veux découvrir. Où que mène ce chemin, j'irai. Que la Toute-Mère te soutienne dans cette voie, Aloy. Et qu'elle te protège. Il faut que j'y aille. D'accord. Sois très prudente, Aloy. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches. La Toute-Mère peut sauver Enora maintenant. Ouais, quand elle a de choisir, sécuriser les hommes pour ensuite. Je n'ai jamais rien vu de pareil. J'espère ne jamais revoir. Là, je me dirige droit sur les objectifs, mais à mon avis, c'est pas la route. La corruption forme comme un nuage de fumée autour d'eux. La chasse commence. Rend les machines folles. Ça pourrait m'être utile un jour. Oh, c'est joli cette pluie horizontale, là. Ça change un peu de la pluie bien verticale. Fin de la chasse. À l'attaque. Oh non.
Je suis trop chargée. Oui. J'ai déjà trop de choses. Oh, et trop d'ennemis là. Ça l'a pas arrêté. Femme de caractère. Bon, allez, on va essayer de libérer ce refuge. Une sur deux déjà. Ah, ça y est. Le village abandonné dont Maria m'a parlé. Sur 3. Les voilà. Des veilleurs corrompus. Allez, vous pouvez passer la tienne. Voilà. Hop là. Et bim. Bonne nuit. Yeah. De cette vallée. Il est temps d'aller voir si les Karja me laisseront traverser les montagnes. Ah, ça va, c'est un jeu d'enfant. Attention. Il n'est pas en tout cas récupéré. Non. Je vais mettre ça de côté. Ah oui, mais je me rappelle de...
Ok. Des bruits de combat. La forteresse Karja serait attaquée? Un corrupteur. Qui a risqué sa peau, en tout cas. Ouais. Ça, c'est pas faux. En équilibre, recyclage... C'est ça, parce que là, j'ai mis un piège. Ce serait bête que je l'active. Hé hey, approche. J'arrive. Je dois poser quelque chose. Mais maintenant. Salut les gars. Bon. Vous allez m'ouvrir la porte maintenant? Faites ce qu'elle dit. Ouvrez les portes. Et allez prévenir le capitaine Balan. Où est-ce que tu vas, fillette? À l'ouest. À Méridian. Ouvrez les portes. Dans le meilleur des cas, la voie des pierres brisées est dangereuse. Je te conseille d'aller parler au capitaine Balan. Il est venu de Méridian il y a peu. Tu le trouveras dans le fort, sur un balcon à gauche qui surplombe la vallée. Bon, mais c'est bon. D'accord. Alors, on va là. Merci. C'est nous qui devrions te remercier d'avoir détruit ces machines. Sois prudent, ouais. Nora. Il n'y a pas le soleil, comme il était tout à l'heure. Le soleil nous a aidés, mais moi, non. Oh. Gloire au soleil. Allez, recommence. Gloire au soleil. Il neige fort, tout devient blanc. On va aller voir Balan. Artisanat, compétences, quête. Principal, ok, Alex. Partout, on s'en fout. Ça, c'est bon. Oh, c'est bon. Non, on va partir bientôt. Je sais pas si on peut partir par là. Je vais quand même s'emmerder, si jamais. Ce qui peut arriver. Non. Oh la vache. J'ai eu chaud. Bon allez. Le monde au-delà des terres sacrées. Je dois trouver Olin et apprendre tout ce qu'il sait. Qui étaient les tueurs? Comment ils m'ont vu dans son focus? Qui est cette femme? Celle qui me ressemble. Pourquoi ils veulent ma mort? Les traces d'Olin mènent vers Méridian. Progression. Je l'aurai, il parlera. Et il paiera pour les vies qu'il a ruinées. Doucement. Ah non, j'ai pas vu qu'il y avait une... Au-delà des terres sacrées.
sépare le monde. Oh non, c'est bon. La flemme. Je pense pas qu'on va s'y frotter à lui. Ou du moins, pas pour le moment. Des amis. Les amis de mes amis sont mes amis. Descends vite. Eh non, t'inquiète pas. C'est qu'une impression. Ouais, mec, qu'il fasse jour un peu. Grand front site de machine. Le sémaphore. Bon, je pense que j'ai trouvé un point de sauvegarde. Mais c'est quoi là? C'est Méridien? Ouais, je vais aller jusqu'à Méridien. Je vais aller jusqu'au bout. Je vais arriver à Méridien. Oh! Oh! C'est pas d'autre chose. Enfin, dégage, dégage, dégage. Mais pourquoi tu marches le boss à chaque fois? C'est pénible. Ouais. J'aurais dû prendre un chariot. Et donc Méridien, c'est pas un côté. Je vois qu'il y a des chasseurs et des guerriers Karja un peu partout. Bonjour.
arrive sur les... Sur les contreforts de Méridien. Jamais dû accepter ces femmes et ces sauvages. C'est une institution Karja noble. Elle n'est jamais épuisée de courir. Elle n'est même pas essoufflée. Voilà, ça y est. Ok, un question pour ici. Désolé pour l'attente, mais toutes les marchandises entrant dans la ville doivent être examinées. C'est proprement scandaleux, nous sommes d'honnêtes. C'est proprement scandaleux, nous sommes d'honnêtes citoyens. Combien de temps on va encore attendre? Qu'est-ce que je suis censé faire? Voilà, donc les amis, je vais mettre fin à ce stream. Donc on a retrouvé les tueurs de l'éclosion, on les a tués, évidemment. Et on est enfin arrivé à Méridien. On va pouvoir s'entretenir avec le roi soleil Avan. Et voilà, donc ouais, finalement, quand on traduit, j'ai pas fait grand chose. On a tout juste retrouvé les tueurs de l'éclosion et on est arrivé à Méridien. C'est pas exceptionnel. Donc voilà, pour la suite du stream, je pense le week-end prochain, du coup. Sûrement samedi, parce que je travaille pas samedi. Donc samedi, on continuera. On rentrera à Méridien. Voilà, donc j'espère que le stream vous a plu. Que ça s'est bien passé. Et j'espère que vous serez là pour la suite des aventures d'Aloy au milieu des terres désolées du monde post-apocalyptique. Et que vous m'aiderez avec vous tous ces dinomeka. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus au week-end prochain. Ciao les amis. L'ombre assassinat, j'ai rien à voir là-dedans moi.